on le voit très bien, et de nombreuses études l'ont prouvé, hein, que beaucoup de filles ne sont pas allées vers les études scientifiques, parce qu'il était établi depuis toujours que bien, c'était les garçons qui devaient faire les études scientifiques, et les filles se consacraient soi-disant aux études littéraires. Pourquoi pas, hein, si c'est un choix. Tant que c'est un choix. Tant que c'est un choix, c'est problématique. Tant que c'est un choix, vraiment, nous, c'est ce qu'on prône, et c'est vraiment laisser faire les enfants et laisser leur faire leur choix. Et effectivement, ce stéréotype de les filles sont nulles en maths et les garçons sont dans les milieux scientifiques, il a un vrai impact. Il y a vraiment très peu de femmes dans le monde du numérique et dans le monde des sciences actuellement, et c'est problématique, ça perpétue aussi ailleurs les stéréotypes. Et puis, c'est des milieux aussi très masculins. Donc, au-delà de ce stéréotype de les filles sont nulles en maths, elles sont plus littéraires, etc., il y a des femmes aussi et des petites filles qui ne veulent pas aller dans des milieux qui sont à 90%, 95% masculins et dans lesquels il y a énormément de sexisme aussi.